toujours eu le tam-tam, les feux, le fanion pour communiquer le plus vite possible. Ça ne marche pas toujours. Samuel Morse, un peintre américain, revient d'Europe en 1832. Amateur d'électromagnétisme, il a l'idée du télégraphe électrique. Bientôt, l'Europe est reliée aux États-Unis. Et du jour au lendemain, des nouvelles arrivent dans l'instant, alors que les facteurs mettent 2 semaines. Des fils couvrent la planète. Ces fils, Graham Bell, professeur dans un institut de sourds et muets, réussit en 1876 à leur donner la parole. Edison, le savant aux mille inventions, perfectionne télégraphes et téléphones. Mais surtout, l'ampoule électrique. New York s'illumine. En France, les trompettes d'Aïda saluent l'avènement de la lampe à incandescence sur la scène de l'opéra. En 1879, le moteur électrique propulse pour la première fois une locomotive. La même année, Hertz prouve par l'expérience ce que Maxwell avait démontré par le calcul, l'existence d'ondes électromagnétiques analogues à la lumière. Il parvient à émettre et à capter une onde à un tout petit mètre de distance. Branly et Ducrutet augmentent la durée de ces ondes. C'est la TSF, qu'un jeune Italien, Marconi, met au point. Il lance le premier message radio par-dessus la Manche, 10 ans avant le vol de Blériot. Avec un cerf-volant portant une antenne, il capte à Terre-Neuve des signaux émis d'Angleterre. Dans cette extraordinaire fin de siècle, Perrin et Thomson découvrent, en expérimentant un tube de Crookes, que les grains d'électricité, les électrons, se déplacent eux aussi sans fil. Lee de Forest, utilisant cette propriété, invente la lampe triode, qui est à l'origine de l'électronique. Grâce à la rencontre des ondes et des électrons, l'énergie électrique n'est plus seulement force, lumière, chaleur, mais aussi regard, communication, mémoire. Elle devient presque aussi vitale que l'air ou l'eau.